combien, 5-6 amis à Saint-Sébastien. D'accord. Et, ça fait 3 ans déjà qu'on travaille, 2 ans, qu'on travaille pour Claude Ponty, voilà. Donc on se retrouve chez Marie-Françoise, et puis bah, chacun donne ses idées, apporte ses tissus, et puis c'est très convivial, on prend le thé, un petit gâteau, et puis bah, voilà, et puis on crée nos œuvres, voilà. Où est l'autre? Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette œuvre? La convivialité qu'on a d'être ensemble. Et la création, parce que pour certains, on aime bien la couture. On part de rien. Il y en a qui n'aiment pas la couture, mais qui se sont pris au jeu, qui ont fait du collage. Et puis c'est de se retrouver ensemble. Voilà, on est des copines de rando au départ. Puis d'autres se sont rajoutés. Et ça nous a fait connaître d'autres personnes parce qu'on ne se connaissait pas tout au départ. Il y avait un petit noyau et puis voilà. Monsieur Ponty, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces créations? Je suis extrêmement impressionné parce que il y a une grande quantité de choses. Et en plus, souvent on dit que les gens n'ont pas d'imagination, ou même eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas d'imagination. Et quand on regarde les centaines de poussins qui ont été faits là, il n'y en a aucun qui est le même que les autres, donc en fait, ils se sont installés, ils ont eu peur, et on voit bien que tout le monde a de l'imagination. Il suffit juste d'y croire un petit peu.